On parlait de, du projet des femmes agricultrices qui était venu. En fait, c'est une demande du milieu. Euh, moi, j'étais coordonnatrice euh, du groupe de recherche multidisciplinaire féministe et euh, par les réseaux de l'Université Laval, une personne m'avait appelée pour dire « Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec la Fédération des agricultrices du Québec? Il y a une demande de leur part. Euh, Est-ce que vous seriez intéressée à les rencontrer? » Alors, j'ai appelé une collègue des sciences d'éducation, pierre Bouchard, et puis on a rencontré euh, la personne de la FAC, la Fédération des agricultrices, qui nous a expliqué les, la problématique de ces femmes-là, qui voulaient être reconnues comme des agricultrices et non pas comme des femmes, d'agriculteurs euh, qui était la, la façon dont on les voyait un peu partout. Et puis, elle voulait aussi que on fasse une recherche là-dessus pour documenter leur situation. Euh, un des problèmes qu'elle vivait et qu'elle, je qu'elle doit vivre encore en partie aujourd'hui, c'est qu'elles avaient le, les enfants toujours à, à leur charge et que c'était très dangereux d'amener les enfants euh, à la grange le matin pour faire la traite. Et puis, euh, il y avait d'autres problèmes aussi de, de reconnaissance par les maris eux-mêmes. Et il y avait aussi toute la question de la propriété. Elle n'était pas propriétaire des fermes. Alors, il y avait toute cette question-là au Québec. Aujourd'hui, il y a des possibilités, euh, euh, suite d'ailleurs pas à la recherche, la recherche n'a pas influencé ça, mais c'était dans l'air à ce moment-là de faire en sorte qu'il y ait davantage de possibilités pour les femmes de devenir copropriétaires de la ferme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous vous promenez au Québec, vous voyez que souvent, sur les silos, les deux noms, mari et femme. Et ça vient de cette époque-là où les femmes ont eu accès à la propriété de la terre. Alors tout ça, c'était une problématique très lourde. Alors on a discuté avec elle et on a décidé qu'on faisait une recherche euh, de terrain avec des entrevues avec des agriculteurs et des agricultrices. Et euh, moi, j'étais en charge de la partie... Euh, recherche comme telle, collecte de données, analyse. Euh, ma collègue Pierrette Bouchard est intervenue euh, dans la deuxième année, je pense, au troisième année, lorsqu'on a préparé un projet à partir des données. Et puis, Vidéo Femmes est intervenue ensuite pour faire une vidéo. Mais tout ça a commencé avec des entrevues qui ont été faites par un fils et une fille euh, d'agriculteurs et d'agricultrices. Et ils ont fait, lui avec les hommes et les femmes, et elle avec les hommes et les femmes, ils ont fait des entrevues. Et on avait promis que les, le point de vue des gens qu'on qu interviewait, ce serait ce qui passerait finalement. C'est ça qu'on rendrait comme données. Et on a donc, en deuxième étape, préparé un synopsis, euh, à Pierrette Bouchard et moi, qu'on a soumis à VidéoFemme, qui est un organisme très connu ici de productrices cinématographiques. Et on a utilisé tout ce qui est dit dans la vidéo, vient des entrevues, tous les dialogues les dialogues sont des, repris directement des entrevues qui ont été faites. Et le film s'appelle Ma douce moitié. Et je l'ai trouvé justement sur Internet. C'est une vidéo de, je n'ai pas mes lunettes là, je vais mettre mes lunettes, 22 minutes. Donc ce n'est pas très long, il y a de la musique et tout. Et ça donne tout à fait l'esprit de ce que les gens voyaient comme problème et la perception que les gens avaient des agricultrices. C'était vraiment très, très bien intéressant. Alors c'est un projet qui... Qui est moins exotique, évidemment, pour les anthropologues. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que nous ayons eu un groupe féministe multidisciplinaire ici à l'Université Laval, en fait, que ces personnes-là se sont dit Ah, voilà un endroit où je peux aller frapper, je peux aller frapper à la porte. Et ça a très bien marché et ça a donné cette vidéo. Et la vidéo est dans le catalogue de Vidéo Femmes. Alors, mon nom n'apparaît pas dessus, mais moi, je peux vous dire que toutes les données qui sont là-dedans, euh, je suis celle qui est. Euh, fait en sorte que, que ces données existent, et plus les deux étudiants et étudiantes qui ont participé. Et ça, c'est un projet qui est intéressant. C'est l'agriculture au Québec. L'importance d'être aussi au Québec, non seulement à l'extérieur, mais d'être aussi présente ici au Québec comme anthropologue, c'est extrêmement important. C'est un projet qui a commencé. En fait, il y a deux projets. Le premier projet était du CRDI. C'est un collègue de UBC, University of British Columbia. Euh, qui mettait sur pied un, un gros projet de coopération de 5 ans euh, avec une très très grosse somme d'argent et il fallait, euh, c'était l'époque, euh, un volet euh, gender. Et moi, j'étais titulaire de la chaire d'études sur la condition des femmes. Donc, euh, le collègue de l'université Laval qui était co-chercheur est venu euh, me rencontrer et j'ai rencontré Peter Bootroyd et puis on s'est mis à discuter. Et finalement, là, je vous passe tous les détails des, euh, des euh, discussions qu'on a eues, parce qu'évidemment, ils voulaient euh, que la question de gender soit prise en compte, et moi, j'ai dit simplement que si j'embarquais, j'embarquais complètement, c'est-à-dire que j'avais, euh, euh, je faisais partie de, de, des gens qui dirigeaient aussi. Alors, on a fait une section femme, une section euh, gender, et dès le départ, dès les tout premiers voyages au Vietnam, le petit groupe que j'avais mis sur pied pour les, de femmes qui avaient été déléguées par leur direction d'université, mais qui parfois connaissaient plus ou moins la question, mais qui étaient intéressées, me disaient « We want to know more, parce que la, la langue de travail, c'était vraiment l'anglais. We want to know more, we want to know more. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de préparer un projet parallèle, cette fois-ci, où on pourrait euh, travailler un peu comme on l'avait fait avec Marie-France Labrec quelques années auparavant, euh, sous forme d'atelier de formation. Et j'ai mis sur pied un projet. Euh, Marie-France a participé euh, comme formatrice, euh, Marie, euh, Maria de Coninck aussi. Et euh, on a eu un projet de formation à la recherche qui intègre les rapports sociaux de sexe, donc gender. Qui intègre le gender, si on veut. Et ça a duré euh, en trois étapes, en fait. La première étape, on avait 16 personnes qui participaient, 14 femmes, 11, 11 hommes, de sept universités euh, vietnamiennes différentes, du nord au sud. Et euh, chacun, chacune faisait un projet personnel de recherche. Et nous, j'encadrions via Internet. Via le, ça a été un projet vraiment euh, innovateur, mais très compliqué. Alors déjà, euh, le, le, le défi, c'était que contrairement aux autres formations, gender ou euh, genre, il fallait qu'il y ait un suivi. Parce que tout, toutes les formations, c'était des petits, euh, en anglais on dit one shot. Autrement dit, ça se produisait en quelques jours, puis là, les gens disaient bonjour, merci, c'est fini. Là, le, le défi, c'était de suivre la formation, de voir les résultats, de voir tout le processus, d'encadrer pendant tout le processus et de voir le résultat, donc la recherche faite et l'écriture du rapport. Donc, ça prenait du temps. Donc, la première étape, ça a été ça, pendant trois ans. Il y a eu ce, ce, ce travail-là avec 16 personnes. Et ensuite, on a demandé, et les gens voulaient continuer. Mais là, le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, qui finançait cette recherche-là, pas cette recherche-là, c'est de la formation à la recherche, euh, le CRDI euh, nous a dit ben voyez, tenez un, un atelier, puis voyez, discuter de tout ça. Et là, il, il, les fonds étaient moins, euh, moins grands. Alors, on a décidé de travailler par équipe. Alors, on a fait une deuxième étape où les gens travaillaient en équipe. On avait neuf participants au lieu de 16, et il faisait former des équipes. Ils avaient leur budget. J'avais réussi à obtenir que chaque, durant la première étape, chacun avait son ordinateur. Donc, les fonds qu'on avait reçus permettaient à chacun d'avoir un ordinateur. Dans la deuxième étape, le directeur ou le, le responsable de chacun des sous-groupes gérait un petit budget, euh, gérait aussi son personnel. Et puis, on communiquait euh, pour l'encadrement des recherches comme telles. Et ça, ça a donné euh, des recherches, des projets de recherche de groupe. Et la troisième étape, ça a été euh, l'enseignement. Les gens ont eu à préparer euh, des cours qui intègrent euh, la perspective, gender perspective, comme on dit en anglais. Euh, ça a été ça. Donc, ça a duré quand même longtemps. Ça a permis de, de me rendre au Vietnam, mon Dieu, euh, je ne sais plus combien de fois, et puis d'avoir de, des amitiés assez solides avec ma co-chercheuse, Dauti Bid, qui est maintenant retraitée aussi et euh, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé mais c'est beaucoup 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 de travail mais au moins on sait que euh, quand on compare les deux projets le, mon projet parallèle et puis le projet du euh, de l'Agdi les femmes qui étaient dans le projet Agdi de l'origine et qui sont passées dans mon projet ont pris énormément d'assurance et même on voyait quand elles intervenaient. On voyait le respect aussi chez leurs collègues, parce que quand j'ai fait ma première présentation, moi, avec ma collègue Totibine, il y avait des gens qui faisaient des blagues sur les épouses et tout. C'était pas pris au sérieux du tout. Mais quelques temps plus tard, quand les femmes prenaient de l'assurance et avaient, étaient davantage respectées, et les collègues canadiens et anglais étaient vraiment impeccables là-dessus, là, et on voyait l'assurance. Alors, elles ont fait avec le, la formation, il y en a qui ont fait des communications, qui ont écrit des rapports, qui sont devenues des expertes, si on veut, dans leur propre pays, de ces questions-là, où il y avait très, 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 très peu de choses, puis il y en a encore très peu. Alors, ça, c'est, je dirais, les bonnes retombées, mais qui ne sont pas visibles d'ici. Et c'est un projet qui, qui a duré longtemps, mais qui n'a pas donné pour moi, ni ma collègue de l'Université de British Columbia, qui qui était euh, collaboratrice au projet, ni ma collègue d'Autibine, ça ne nous a pas donné, nous, de, de publication. Et Jean-Jacques Chalifoux avait dit que c'était un projet de maturité. Les jeunes collègues ne pouvaient pas faire ce genre de choses-là, parce qu'il faut publier. Alors, il n'y avait aucun moyen. Les données que les, nos gens collectaient, c'était leurs données. Nous, on était là pour les supporter, pour les aider. Alors, elles étaient très fières ces personnes-là d'avoir réussi ça. Mais nous, c'était pas nous donner. Donc, on a été sur le plan éthique tout à fait correct. Mais heureusement, toutes les trois, nous étions en fin de carrière, parce que si on n'aurait jamais pu faire une chose pareille en début de carrière. C'était impossible de publier. On aurait peut-être pu, mais je sais pas où j'aurais pris le temps, parce qu'encadrer euh, par ordinateur des gens, des choses qui avaient été traduites. C'était vraiment, euh, je regarde ça avec la distance aujourd'hui, mais je dis, c'était presque fou là, de, de s'être embarqué là-dedans. Mais en même temps, c'était innovant parce que ça, ça n'avait jamais été fait. Euh, toutes les formations euh, de, de genre, on appelait, étaient toujours des quelques jours et puis les gens partaient. Et même les ateliers internationaux qu'on a fait avec Marie-France en 90, 91, ici à, à Québec, à l'Université Laval, c'était une semaine. Ensuite, on est allé en 95 pendant un mois à s'élinguer, mais c'était un mois. Après ça, ces gens-là, moi, j'en ai revu quelques-unes, mais c'était informel. Ça n'avait rien à voir avec le travail qu'on avait fait. Donc, il reste toujours une petite déception pour les profs qui se disent Oui, est-ce qu'il va en rester quelque chose Quel est le résultat précisément, là, une fois que le travail a été fait Un petit travail de session, même pas un travail de session. Là. Après une semaine, on ne fait pas un travail de session. Donc, on leur faisait préparer des demandes de subvention, des projets comme s'ils avaient à faire une demande de subvention en 1995, mais on n'avait aucune idée de ce allait advenir de ça. Tandis qu'au Vietnam, on pouvait voir, on a pu voir quand j'avais fait le rapport et la liste de tout ce que chaque, chaque personne avait fait. Elles avaient fait des conférences, elles avaient fait des entrevues, elles avaient enseigné des cours. Euh, je suis sûre aussi que plusieurs avaient. Euh, pu bénéficier du fait que c'est assez informel les rapports euh, qu'on a alors que c'était très formel. Euh, euh, donc ça a dû changer leur, leur, en partie le rapport avec leurs propres étudiants. Puis elles avaient aussi la réputation maintenant d'avoir quand même une formation de quelques années euh, en recherche qui intègre euh, la variable de sexe ou qui intègre les rapports sociaux de sexe. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça a eu plus d'effet, même si c'est un petit nombre de personnes. Euh, il reste que ces personnes-là ont, ont continué à enseigner euh, et puis il y en a qui ont été directrices de département. Euh. Donc c'est très intéressant. C'était de l'application, de, de... mais ce n'était pas un terrain on, comme on entend pour la Guadeloupe où j'allais collecter les données moi-même. Ce n'était pas ça, malheureusement. <laughs> moi, j'ai toujours été frappée dès mon premier terrain. Et d'ailleurs, euh, il y a une photo qui est sur le, le dessus de la revue Recherche féministe, là, euh, qui est une attacheuse qu'on voit penchée. Et j'ai toujours été frappée par la position que les femmes occupent dans leur travail, penchée ou au sol, dans, que ce soit dans les marchés ou que ce soit euh, dans les, sur le bord des routes. Euh, très, très souvent, les femmes, vous remarquerez, que ce soit au Vietnam. Que ce soit en Afrique, dans différents pays d'Afrique, euh, que ce soit euh, en Asie, en Afrique. Euh, au Québec, non, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, non plus. Mais il reste que c'est frappant euh, de voir que les femmes, le travail des femmes, c'est souvent un travail non seulement terre à terre, euh, euh, disons, métaphoriquement, mais aussi euh, matériellement. Et les marchés, moi, toujours, je trouve ça fascinant. Où que j'aille aujourd'hui, même pour mes propres voyages, je vais toujours au marché. C'est l'endroit où vous voyez, d'abord, c'est très beau si on veut faire des photos, mais aussi, vous voyez vraiment les, 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 la vie quotidienne de ces marchandes-là puis la vie des, des gens qui viennent. Au, en, au Vietnam, j'ai des photos de gens qui se font faire les ongles en plein marché. Il y a un genre de piédestal, elles sont assises, et puis elles se font faire les ongles, tout simplement, les ongles de pied, d'orteil. De, de, il y a des coiffeuses que vous voyez qui sont aussi euh, installées. J'ai des photos de, de femmes qui dorment le midi parce qu'il fait très chaud. Donc les gens font une sieste, nous on n'en fait pas. Mais vous voyez la femme couchée sur le dessus de son, pas un frigidaire, mais quelque chose qui trans, avec lequel elle transporte son chariot. Elle est couchée, puis elle dort paisiblement en plein milieu de bruit. Euh, donc, c'est des photos quotidiennes et les marchés sont un lieu, à mon avis, idéal euh, pour prendre ce genre de photos-là. J'en avais pris au marché Jean -Talon aussi, qui est pourtant pas exotique. Là. Et c'est la même chose, c'est un endroit extraordinaire pour, euh, pour observer. Moi, j'étais syndicaliste en plus d'être féministe. Bon, J'ai été vice-présidente pendant quelques années du, du SPUL, du Syndicat des professeurs. Et euh, plus tard, dans les années 90, j'ai été présidente du, du comité des femmes en milieu universitaire de la Fédération des professeurs d'université. Et en tant que professeure d'université et en tant que féministe, j'ai pu voir comment fonctionne l'institution universitaire, euh, les subtilités euh, du sexisme, euh, les difficultés de femmes, des femmes en particulier, lorsqu'elles veulent concilier le travail, le, le travail de prof et euh, le travail de, de familial. Euh, donc, euh, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait un projet, j'ai préparé avec une collègue de l'Université de Montréal un projet qui s'appelait, euh, j'oublie le nom là, <laughs> sur les, les, le travail et la conciliation travail et famille, le changement et la résistance au changement chez les professeurs d'université. Alors, le projet comme tel était très grand, on devait faire toutes les deux, deux profs, des entrevues, et il se tenait très bien. Et ma collègue, euh, que je ne nommerai pas, mais qui, elle, avait mis comme condition, qu'on ait des, 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 euh, des charges de cours, qu'on puisse travailler et faire de la recherche. Or, évidemment, le budget est arrivé, coupé vraiment de moitié, pas moyen d'être ni elle-même ni moi dégagée, donc ça a tout changé, ce qui fait que l'idée de faire des entrevues auprès des profs, on peut pas demander à une étudiante d'aller interviewer une prof sur des questions personnelles comme ça. Donc, il fallait, c'était une recherche de profs, avec évidemment des auxiliaires pour d'autres types de travaux, alors ça touche un chamboulé. Là il fallait se retourner vite. Et là j'ai dit bon mon va qu'on recherche par questionnaire. Mais préparer un questionnaire. Moi je suis une qualitativiste. Hein, je suis pas une, une habituée des gros questionnaires. Donc tout le temps de préparer la revue littérature, le questionnaire, le tester le questionnaire, l'envoyer. Finalement, ça a donné très, ça, il y avait beaucoup de données qui auraient pu être utilisées, mais que je n'avais plus eu un sou pour les utiliser. Alors j'ai quand même fait euh, un article pour la Fédération des, des professeurs d'université. Mais ça, c'est un très bon exemple des conditions de recherche euh, qu'on nous impose. Alors vous faites un très beau projet qui se tient, et malheureusement, euh, vous n'avez pas les fonds nécessaires. Et dans ce cas-ci, c'est évident que c'était du qualitatif qui allait faire. Il fallait que les gens puissent parler. On a, donc, le questionnaire est devenu trop gros parce que moi, j'essayais je, de. trop gros. Il a quand même fonctionné, mais je dis, un questionnaire, normalement, ça ne devrait pas être si long que ça. Mais là, ce qu'il s'agissait, c'est d'aller essayer d'avoir quand même des données qualitatives à partir du questionnaire. Donc, de ce point de vue-là, je ne dirais pas que c'est un gros succès, mais il y a quand même beaucoup de données. Mais l'idée, c'est qu'il fallait pouvoir rencontrer les profs, les rencontrer euh, comme ça, leur parler et avoir, un, comme on le fait avec d'autres euh, populations, une population, tout simplement. Donc, de ce point de vue-là, c'est encore une autre... une source, je dirais, de frustration. Mais ça m'a quand même permis, du fait que j'étais au CFMU, de pouvoir euh, produire un petit journal qui paraissait trois ou quatre fois l'an, je ne me souviens plus, là. Et je le coordonnais, là, je l'éditais. Et ça, ça, ça circulait euh, parmi les profs. J'ai organisé des colloques, dont un qui était la vie quotidienne des, des professeurs d'université, justement, et qui a permis à plusieurs collègues des autres universités de venir euh, intervenir là-dessus. Euh, là et euh, donc, c'était des activités de, 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 de profs, en fait, mais ce n'était pas de la recherche tout, tout le temps de la recherche. C'était beaucoup d'animation, de la sensibilisation, de la prise de conscience aussi, euh, parce qu'il y, y avait des profs dans toutes les universités qui, qui participaient. L'idée d'être... Moi, j'ai l'habitude de travailler dans l'interdisciplinarité, donc je n'avais pas de problème à aller chercher une sociologue euh, ou une historienne à, à... Je sais pas, une historienne à Sherbrooke, euh, une sociologue à Lucam euh, une politologue euh, à McGill, peu importe, parce qu'on on partageait euh, la même sensibilité, la même approche, et on pouvait collaborer. Et c'est comme ça que la Fédération euh, des professeurs permettait ça aussi, puisque c'était syndical, intersyndical. Alors, il y a tout ce mélange-là d'implications personnelles, syndicales, de féminisme, de convictions personnelles, de chercheuses, euh, de celles qui écrivent et observent aussi, euh, puis l'interdisciplinarité qui n'était pas évidente dans les, les rapports euh, au quotidien dans nos départements. Elles avaient les mêmes problèmes que, que nous, mais en tant que féministes, on se retrouvait toujours, nos colloques étaient toujours interdisciplinaires et ils continuent de l'être. Toujours, toujours. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas dans chacune des disciplines. Des... Moi, j'ai participé à des colloques d'anthropologie, des colloques de sociologie, euh, où il y avait des regroupements de femmes sociologues ou de fa... qui travaillaient sur des questions précises. Mais euh, en soi, la question des femmes, c'est une question qui ne peut pas être traitée dans aucune discipline en soi. C'est une question qui touche à tout, à tous les domaines. Donc, c'était normal de pouvoir faire appel euh, toujours à des collègues. Donc, moi, j'ai beaucoup de mes publications, en fait, sont toutes des publications interdisciplinaires. Quand je pense à ça, là, les colloques que j'ai organisés, ce sont tous des colloques interdisciplinaires. Et la, le poste que j'occupais comme titulaire de la chaire d'études, c'était aussi euh, avec un support, je dirais, interdisciplinaire. Puis la revue Recherche féministe, dont j'ai euh, été cofondatrice et directrice pendant dix ans, les dix premières années, c'est une revue interdisciplinaire et qui continue de l'être encore aujourd'hui. Oh, C'est une approche comme ça qui est venue de ma, mon travail en France. En fait, finalement, ça a été probablement de là qu'est venue l'inspiration globale de, de se trouver dans un milieu où tu ne regardes pas la boîte dans laquelle tu es inscrite, mais les idées qui circulent. <laughs>